On est pas, je ne pense pas qu'on soit dans une compétition. Les salariés se prononcent sur des propositions. Voilà. Est-ce que on est, voilà, je sais pas, prendre une administration, est-ce qu'on considère qu'il faut limiter le nombre d'emplois réduits ou est-ce qu'il faut en créer? Voilà. On est bien sur des projets syndicaux quand on vote. D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce qu'on peut constater dans les élections politiques où on vote parfois, enfin c'est ce que je dis dans les journaux, les analyses des grands analystes qui font ce constat, qu'on vote pour le moins pire, ou par défaut. Nous, on doit, voilà, les salariés qui vont voter à la SNCF ou dans la fonction publique, c'est pour un projet syndical, c'est pas contre eux. D'ailleurs, moi j'invite les militants de la CGT, quand on va au débat avec les salariés, à parler de ce qu'on veut faire. Et pas de dire à celui d'à côté, c'est pas bien. Donc on sort bien d'une compétition. Parce que si on est dans la compétition, j'allais dire les salariés comptent les points. Ils comptent les points. Et puis une fois qu'on s'est bien engueulé, entre guillemets, bah, ils disent vous servez à rien. Donc il faut sortir de la compétition. Évidemment, le fait d'arriver premier, c'est aussi la démonstration que bah, ce qu'on porte, On ça a est été utile. compris, qu'on est utile, qu'on a été discuté. Voilà, c'est le fait d'arriver premier, c'est la validation d'une démarche plus que de dire on est meilleur que les autres.